Hey, salut la team lactée et bienvenue dans ce format de l'été où on échange des petits tips pour passer un été lacté en toute sérénité. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour la petite astuce du jour et aujourd'hui on parle allaitement, tété et plage. Allez, c'est parti, générique. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve parce que je vous ai posé la question en story il n'y a pas très longtemps, Instagram, j'ai les réponses ici. Comment se passe pour vous les tétés à la plage? Comment vous faites pour allaiter bébé à la plage? Alors nous ça nous est arrivé quelques fois, les tétés à la plage, chaque fois que ma fille, elle arrive, elle sort le maillot de bain, elle sort le centre du maillot de bain, elle fait tété, elle se pose pas de questions, sable, pas sable, eau salée, pas eau salée, ah non, elle y va tout de go, il faut qu'elle tète, elle tète. Une fois, elle m'a même plaqué au sol, c'est vous dire, bon, on était sèche, mais elle m'a plaqué au sol en fait parce qu'elle voulait tété allongée, donc elle m'a plaqué au sol, elle s'est collée à moi, voilà, elle s'est emboîtée au niveau du sein et elle a tété tout simplement, donc pas de tips particuliers pour nous. J'ai un maillot de bain qui est mon maillot de bain de grossesse. Après que je l'ai payé, je le rentabilise, voilà, donc c'est toujours le même, bon, qui s'enlève très facilement, voilà, on se protège du soleil, pas de protection spécifique non plus, mais on se protège du soleil, chapeau, parasol, voilà, mais effectivement, par contre, il y a eu des réponses très très intéressantes et des petits tips qui peuvent, je pense, aider plein de mamans. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va en parler. Donc il y a des mamans qui parlent beaucoup du maillot de bain, soit à col en V, à échancrure, etc. Portefeuille, échancrure, portefeuille au niveau de la poitrine pour voilà, défaire plus facilement le sein. Effectivement, ça peut être un choix de maillot de bain qui peut être pratique. Sinon, il y a toujours... toujours pratiquer le monokini, hein, c'est-à-dire juste le bas. Oh, j'ai envie de dire, on est à la plage, personne ne nous dira rien, voilà. Ça peut aussi être une astuce. C'est économique, on achète que le bas. En attendant, il y a d'autres mamans qui ont évoqué le fait d'avoir toujours avec elles une bouteille d'eau, en fait, enfin, ou de l'eau claire, pour se rincer la poitrine avant la tétée, pour enlever le goût salé de l'eau de mer, tout simplement, ou effectivement, le sable. Être aussi une très bonne idée parce qu'il y a peut-être des enfants qui n'aiment pas ça. Voilà, la mienne, elle s'est jetée dessus comme si elle n'avait pas mangé depuis 20 ans, mais tous les enfants n'aiment peut-être pas ça. Il y a des mamans qui ont évoqué le parasol pour se protéger éventuellement du soleil, mais il y a des mamans aussi qui ont évoqué une histoire de tente. Je ne sais plus la marque, si jamais vous avez des tentes de plage que vous emmenez l'été, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, peut-être que ça pourrait intéresser d'autres mamans. Et en fait, elles s'en servent pour se protéger du soleil, mais aussi, c'est pas bête à la plage, pour se protéger du vent et du sable qui peut être emmené par le vent. C'est vrai que ça, c'est pas bête à la plage quand même de penser à ça, surtout qu'un petit bout de chou, les bambins à la limite, bon après ils sont un peu plus grands, mais effectivement avec un petit bout de chou ça peut être une bonne idée. Il y a des mamans, alors beaucoup d'entre vous disent qu'elles tètent allongées à la plage. Bon, moi j'ai tété assise et allongée, mais effectivement il y a pas mal d'entre vous qui évoquent le fait de faire la tétée allongée. Voire même certaines disent qu'en fait avec l'eau de mer, bah, la peau est un peu sèche et si elles font tété en position assise, ça leur tire un peu la peau. C'est une bonne astuce, pourquoi pas la tétée allongée. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, les fuites de lait. Il y a des mamans qui ont eu des questions par rapport aux fuites de lait, comment gérer à la plage, etc. Alors, bon, j'ai eu une réponse assez unanime en toute franchise, tournée de façon différente, mais la réponse était un peu toujours la même. Tu prends un maillot de bain sombre et de toute façon, t'es à la plage, donc t'es dans ton maillot de bain, on verra pas la différence. J'avoue que, effectivement, pourquoi se prendre la tête à mettre des coussinets ou des choses comme ça? On est à la plage, on peut être mouillé à n'importe quel moment. Alors c'est vrai que, bon... si on veut éviter genre vraiment l'auréole juste de lait alors que par exemple on s'est pas encore baigné, qu'on est encore sèche ou qu'on vient de sécher et que bon effectivement ça va faire juste l'auréole de lait, peut-être que dans un maillot de bain sombre du coup ni vu ni connu, on a une petite fuite de lait, c'est pas très grave. Peut-être miser sur le maillot de bain sombre en cas de effectivement de fuite de lait, mais sinon bah non, faut pas s'embêter avec des coussinets, en plus avec l'eau ça peut coller, ça peut macérer, bon c'est peut-être pas l'idéal, voilà à la limite dans un maillot de bain on verra pas trop la différence, sombre. Il y en a certaines qui parlaient d'avoir par contre un maillot de bain avec du bon maintien, visiblement ça leur évitait les fuites de lait, je le dis, peut-être que ça pourra servir à d'autres mamans, voilà, c'est posé. Ah oui, il y en a pour qui visiblement la tétée à la plage ne marche pas, alors ça, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pourquoi vous pensez que la tétée à la plage ça ne marche pas, ça m'intrigue, peut-être que parce que bébé a plein d'autres choses à faire que tétée en fait.
La tétée à la plage, visiblement, c'est comme la tétée à la maison, on se prend pas la tête, voire même c'est plus pratique parce qu'on est moins habillé, il y a moins à défaire, tout simplement. Il y en a qui, avec humour, ont répondu en fait s'installer au milieu des femmes topless. C'est ce que je vous disais, on est à la plage, à la limite, oui, installez-vous au milieu des autres femmes topless, ça passera, hein, comme ça, ça passe crème, nickel. Voilà, le maillot bandeau aussi, le maillot bandeau apparemment est une très bonne astuce, apparemment surtout pour les femmes qui ont une forte poitrine. Vous êtes plusieurs à avoir une forte poitrine, donc j'ai eu des 95F, des bonnets voilà, E, etc. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit en fait, le, bah, mine de rien, le maillot de bain bandeau, parce qu'on ne trouve pas facilement en maillot de bain voilà, avec une armature ou alors ça va coûter un peu cher, bah, le maillot de bain bandeau c'est une très bonne solution et c'est très facile à enlever pour faire la tétée. Petit tips de l'été, ça peut être pratique. Beaucoup d'entre vous utilisent un chapeau visiblement sur la plage pour, et apparemment des chapeaux assez grands. Moi, j'étais un peu surprise de cette réponse-là, mais vous avez plusieurs à m'avoir donné. Des chapeaux assez grands en fait parce que ça fait l'ombre et à maman et à bébé quand il est en train de téter. Bah voilà, petite astuce de l'été, avoir un grand chapeau. C'est toujours utile, ça protège des insolations, je trouve ça pas plus mal finalement. Alors crème solaire, maillot de bain, oui, alors ça vous êtes plusieurs à m'avoir dit, mais d'ailleurs en parlant de crème solaire, je rebondis, je vous ai fait un post récemment sur Instagram, et pour celles qui ne seraient pas sur Instagram mais me suivraient que ici sur YouTube, je vous le redis, est-ce que vous saviez que vous pouviez utiliser votre lait maternel en après solaire? Oui, oui, ne me regardez pas avec des yeux comme ça à travers l'écran, vous pouvez effectivement utiliser votre lait maternel comme après solaire parce que nous, on se rappelle que le lait maternel a des vertus hydratantes, apaisantes, désinfectante et réparatrice. Donc on peut largement utiliser son lait maternel en guise de lait solaire. L'avantage c'est qu'il est bio, gratuit et puis qu'en plus il y en a en quantité suffisante pour toute la famille. Petite astuce aussi qui m'a été donnée, mais c'est vrai que moi je le savais pour les brûlures de manière générale, mais effectivement ça m'a été rappelé, en cas de coup de soleil, ça apaise hyper 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 vite. Donc le lait maternel sur un coup de soleil de papa, de tonton, de tati, de nous-mêmes, on n'espère pas les bébés quand même, mais voilà, ça peut arriver un coup de soleil, on n'est jamais à l'abri. Et ben, le lait maternel est un très bon apaisant du coup. C'est très très facile, on l'a tout de suite, on peut apaiser tout de suite les choses. Et d'ailleurs, en parlant des vertus du lait maternel l'été, je vous ai fait un autre post aussi sur les boutons d'insectes l'été. Entre autres, on pense à nos chers moustiques qui aiment moustiquer l'été. Et bien, le lait maternel sur les boutons de moustiques, c'est aussi des vertus très très apaisantes. Ça apaise l'irritation. Et puis en plus, il y a des enfants, bon moi, mon fils par exemple, il s'infecte très très vite, il gratte à sang, ça le gratte vraiment, il est très très réactif, il fait des gros boutons comme ça. J'exagère peut-être un peu, mais il fait des très gros boutons et il a tendance à les gratter à 100, à 100, à 100. Du coup, ça fait des boutons qui s'infectent. Et c'est ce qui nous est arrivé il y a quelques jours. Je vous ai mis un post sur Instagram. Et en fait, j'ai pensé le lendemain, mais j'y ai pensé quand même. Et j'ai mis des compresses. Alors, j'ai mis mon lait sur un coton pour répondre très précisément parce que du coup, plusieurs m'ont demandé. J'ai mis mon lait sur un coton et on a laissé en fait sur la plaie parce qu'il voulait des pansements et que j'en avais pas en plus. Donc, on a laissé sur la plaie. Et effectivement, allez. Des applications régulières dans la journée, on en a fait plusieurs, je ne saurais pas les compter. Bah, le lendemain, ça allait quand même vachement bien. En tout cas, c'était plus infecté et puis ça avait bien bien dégonflé. Mais sur toutes les piqûres d'insectes de manière générale, hein, l'été, il y a les araignées, voilà, on peut se faire piquer par plein de trucs. Ça, le lait maternel a un effet très apaisant et cicatrisant. Donc, il ne faut pas hésiter à en user et en abuser. Voilà au niveau des vertus du lait maternel par rapport à l'été et par rapport à la plage. Après, si vous n'avez pas d'eau claire, sur vous, mettons, vous avez du sable, vous êtes baigné, voilà, le sein est peut-être un peu avec de l'eau de mer salée, et que vous n'avez pas d'eau claire, bah, je vous rappelle que vous avez votre lait maternel dans tous les cas, donc vous pouvez tout à fait vous rincer un petit peu le sein au lait maternel, tout simplement, voilà. Bon, et ben, c'est tout, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tous les tips tété à la plage. Il y en a beaucoup qui ont répondu que la tété à la plage c'était no way, parce qu'effectivement il faisait trop chaud, donc c'est vrai aussi, on se le rappelle. On sort dans les heures creuses pour éviter les grosses chaleurs. Mais effectivement, c'est une bonne astuce de penser aux horaires. Et puis voilà, donc à toutes celles qui ont dit qu'elles n'osaient pas aller faire la tête à la plage parce qu'elles ne savaient pas comment faire, etc. J'espère que cette vidéo pleine de petits tips vous aura aidé. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous fais très gros bisous. Je vous souhaite un bel été lacté. Une belle voie lactée comme d'habitude. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.